7h58, tout le monde sur le pont, voilà la première sonnerie. Prenons un air sérieux, silence, personne rit. J'entends déjà des faux rires, des cris d'animaux. Ils sont en forme, va falloir pousser d'un niveau. La journée commence directement dans les rangs. Et si on veut que tout se passe bien, hors de question de paraître tolérant. Le prof repère les soignés, coupe au gel, petit vernis tout frais, les autres montants ont mitouflé. Certains subissent le poids du cartable, courbe l'échine. Est-ce une punition de maîtriser les chiffres et les lettres? Alors bien sûr que je vais en parler. En attendant je reprends certains sur le fait qu'il faut être à l'heure. Malheur à qui se risquerait de préparer des poulettes. Je suis berger qui veille sur son troupeau armé de sa houlette. Regard sévère, ouais, parfois il faut se forcer de jouer un rôle. Pour pas en voir de toutes les couleurs à la Andy Warhol. Et celui que chaque élève ne cesse de pourrir. Pour éviter la classe, certains font même semblant de mourir. Et un des meilleurs lieux où les ragots aiment courir. Encore un lieu où la plupart des gens n'ont jamais le sourire. Les élèves seraient-ils pressés de rentrer en cours? Bizarre, car ils se voient à leur place, à croire qu'ils vont en ciné. Les voir courir à côté du copain fait halluciner. Normal, il faut que l'heure passe vite, pour d'autres faudra dessiner. Mais rarement du grand art, certains rompent les règles. Blanco, stabilo, ou remplissent la trousse du nom des copines. Ce qui explique qu'on sèche devant sa copie.